Mon nom est Guy Anastase. Je viens de finir la formation des tortues de Marc Mayer d'Inside Alpha. Alors deux points. Le premier, c'est j'ai connu Marc Mayer il y a environ un an dans le cadre de ses recommandations pour la LSI, la lettre suisse des initiés, dont les performances sont remarquables. Et je fais partie donc de la deuxième volée des tortues. La raison en fait pour laquelle j'ai mon objectif en suivant cette formation est de prendre mon destin financier en main. J'ai 56 ans et je pense que prendre 2 ans, 3 ans pour bien maîtriser certains outils financiers et par la suite pouvoir être totalement autonome. Alors cette formation des tortues repose sur une approche méthodologique extrêmement précise, extrêmement claire, fondée sur des outils combinant à la fois des actions et des options. Et le mérite, c'est qu'en fait, cette méthode est une méthode close, c'est-à-dire qu'elle va de A à Z, on sait précisément ce qu'il faut faire, quand le faire, pourquoi le faire. C'est donc quelque chose qui a été très attractif par le fait que ça ne laisse aucune porte à de l'improvisation et tous les cas de figure sont élaborés. On comprend la logique, la rentabilité, on comprend pourquoi cette rentabilité est là et on peut la travailler quel que soit en fait les marchés, que ces marchés soient haussiers, baissiers ou latéraux. Alors aujourd'hui, la formation s'est achevée, la partie théorique est donc finie, elle a été parfaitement comprise par les participants. Les premières transactions sont passées et donc la démarche est opératoire. Donc je me donne 2 ans, comme je l'ai dit, pour m'assurer que je maîtrise les outils, que j'ai cette régularité et que la rentabilité est au rendez-vous. Donc en travaillant sur un portefeuille respectable, mais qui me permet de faire mes premières armes, je m'assure à ce moment-là que pour les années futures, je puisse le faire sur un très gros portefeuille. En fait, je conseillerais cette méthode à toute personne qui présente 3 caractéristiques. La première, c'est de vouloir devenir autonome et gérer soi-même ses finances. La deuxième, c'est d'avoir une discipline, c'est-à-dire être sûr qu'à l'avenir, elle pratiquera un certain nombre d'opérations selon les principes qui ont été donnés par la méthode et ne déviera pas de ça. Et la troisième, c'est la régularité. Il faut pouvoir consacrer un peu de temps signifiant environ une demi-journée, peut-être au début un peu plus, une journée par mois, à date fixe. Donc si on combine ces 3 caractéristiques, la volonté de se prendre en main, la discipline et la régularité, la méthode me paraît parfaitement adéquate pour tout un chacun, sans nécessité de grandes connaissances financières et sans nécessité une compréhension absolue du monde des options ou du monde des actions.